Ah, il doit dire, mais il est chat-chat lui. Je fais quoi avec une moustache? Bien quoi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un concept, hein. Franchement, ça c'est un concept. Je voulais faire un truc de cuisine déjà pendant le confinement. Tout ce que j'ai pas pu faire, je vais les faire et je vais les sortir. Et vous allez voir, ça va être lourd. Donc je viens aujourd'hui avec un nouveau concept. On va faire de la peinture. Je rigole bien sûr. Comme vous pouvez le voir, on va cuisiner. Pour rendre le truc un peu plus palpitant, je me suis dit quoi? Attends, ça me saoule. Pour rendre le truc un peu plus, tu vois, je vais inviter des gens, des personnes différentes, des personnalités différentes. Je me dis, ça peut être grave cool de cuisiner, cuisine du monde, parce que le but c'est vraiment de cuisiner un max de choses différentes, me tester aussi à la cuisine, parce que j'en ai bien besoin, et inviter des personnes justement d'horizons différents. Et du coup, pendant que je cuisine, en savoir un petit peu plus sur l'invité, lui poser des questions, discuter quoi, c'est un échange, pour que ce soit intéressant et pour que vous en sachiez un petit peu plus sur la personne que j'invite. Sans plus trop, c'est comment on dit? Sans trop attendre? Ouais, c'est ça. C'est ça, hein? Si, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit, on dit sans trop attendre. Non, pas du tout. Sans plus attendre, en fait. Sans plus attendre? Ouais, tout simplement. Ouais, pourquoi t'es gris, en fait? Tu me vénères, tu joues, tu t'es plus dans la vidéo. Sans plus attendre, je vais accueillir l'invité du jour. Franchement, c'est une dinguerie. Mais je me suis dit, quand même, ce concept, faut que je le commence quand même en famille. Tu vas être le commis. Mets-toi sur le côté, t'es le commis. Raël, c'est le commis. Je cuisine, moi, quel commis? Moi, ah, là, j'ai baffé, tu vas voir. Le commis, qui sera parmi nous pendant quelques vidéos. C'est une chmétade. Et on va accueillir notre invité du jour. On t'accueille. Calme. Salut, ça va? Ça va et toi? Bien. Ça va? Alhamdulillah, Abbas. Ah, ça va. Tu peux pas doucement? Par contre, tu parles fort. Y'a pas de mic? Hein? Des mic, non? Mic et. Micro, micro, micro. Ah, mic, il veut un micro. Il est là le micro. Ah oui, il fait loin. Bon, je vous présente mon cher père, voilà. Vous l'avez jamais rencontré, vous l'avez jamais vu, je l'ai imité dans toutes mes vidéos YouTube. Hein? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, oui. Donc, vous l'aurez deviné, on va cuisiner quoi dans la spécialité? Ah, pas de spécialité, fait, on va faire une petite chose, pas grand chose. Mais si, maintenant, on va cuisiner égyptien. On va mettre du tawaful, hello, des fèves, avec des pastirma, avec des tarmiya. Voilà, parfait, exactement. Gibna Rumi. Il vous a résumé. Mais on va cuisiner le fitr, le déjeuner égyptien. Voilà, voilà. C'est typique. Donc je me dis, première vidéo comme ça, faire un truc autour de mes origines. Bon, c'est le premier épisode de Fadel Cuisto. Désolé, tout n'est pas carré. J'ai oublié d'annoncer en fait que je vous emmenais avec moi faire les courses lorsqu'il y a des produits un peu originaux que vous pouvez pas trouver partout. Du coup, bah, je vous emmenais avec moi là pour que vous puissiez voir où est-ce que je me suis procuré les produits si jamais vous voulez refaire la recette. Bon, sur Fadel Cuisto, c'est très simple. On fait les courses et on cuisine. Par rapport à la spécialité que j'ai choisie, c'est dans un magasin en particulier que je vais vous montrer à l'intérieur. Bah, c'est parti, venez, hein, suivez-moi. Et si vous voulez, là, on a Belleville. Pour ceux qui connaissent Belleville. Partagé entre trois arrondissements, 19, 20, 11. Montre-leur ça-bas, montre-leur. C'est moi, j'ai montré. C'est la référence quand vous voulez acheter des produits rebeux orientaux. J'ai une petite liste de produits que je dois acheter. Bon, déjà, il y a deux boîtes de fèves. C'est où les fèves, Am? Au fond. Deux boîtes de fèves. Ensuite, on a quoi? Crème de sésame. Là, on va prendre le fromage. C'est un fromage spécial qu'on mélange avec tomate, persil, bref. Je vais vous montrer après ça en vidéo. Voilà, c'est ce fromage. Mais avec, je passe tellement. Si. Si. Je voulais le passer, mais... C'est juste en faire. Ça? Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. C'est un truc. C'est genre du bœuf séché. C'est super bon. Vraiment, c'est très bon. Ah, les œufs, j'ai, c'est bon. Salade, j'ai. Concombre, tomate, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je pense qu'on est bon. Hein. Ouais. Il reste le pain libanais. C'est la base aussi. On va commencer, c'est parti hein. C'est parti, c'est parti. Commençons. Ah déjà? Ah ouais, ok, ok. Il croit il est dans Top Chef. C'est qui le rendez-vous? Attends, tiens. Tiens celui-là. Celui-là il coupe bien. Moi je fais quoi en attendant? Découpe la concombre. Je coupe le concombre. J'épluche d'abord. J'épluche. Tu l'as lavé? Ouais, j'ai lavé wesh. Ah, mais wahda wahda. Un. Tu mets pas quoi. Il est énervé là. Ben c'est ça? Rien comme ça. Ah, toi tu veux faire voilà. Des écailles? Voilà. Tu peux nous raconter un petit peu? Bah, t'es venu quand en France? T'es de quelle ville? Alexandrie. Okay. Je viens d'Alexandrie, ouais. Égypte. Ok. J'ai fini l'étude en Égypte. Un bac plus 4 physique éducation. Prends-en de la graine. Ahmad! Pourquoi? D'Ahmad! Je sais que Chakou, ok.
J'étais mouche, haram. Soraya, non, il a eu son brevet, mention bien. Pourquoi le bail? Le bail pas avec lui. Non, c'est que les maths. Non, c'est très important là, bon. C'est très important. Et ouais, vas-y, continue, dis-moi. T'as eu un bac en physique? Bac plus 4. Bac plus 4 physique. Physique éducation. Incroyable. Éducation. Éducation physique, mais c'est quoi? C'est sport? Ah oui, sport. Oui. Ah, j'avais pas compris, je pensais que c'était genre physique chimie. Quelle chimie? Après, j'ai arrivé ici. Ouais. J'ai rencontré votre mère. Ok. Elle est très gentille, votre mère, à votre compte. Ouais. Même si on est séparés, mais. J'ai donné un grand chapeau à elle parce qu'elle a bien éduqué les enfants. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est... T'as vu maman? Oui, j'ai rien à dire. Sur votre mère, une chose, même il y a divorce, il faut rester la relation entre les couples bien. C'est pour les enfants. Ouais. C'est tout. Ouais, je suis d'accord. Pas plus. Il faut toujours rester en bon terme. Voilà. On a vécu 16 ans ensemble quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est pas un jour. C'est pas rien. Hein. Allez, vas-y, commis. Allez. Vas-y. Tu rates, toi. Non, moi, je vous montre. Parce que... Vas-y. Tu es à gaucher, non? Non, moi droitier, papa. J'ai oublié. Moi. Non. Hop, gaucher du pied. Ah, voilà. Non, c'est comme ça, tu coupes. Mais il s'est pas lavé, là? Si, wesh. Par ça, j'ai dit. Si. T'en fous? On va à l'hôpital. Ouais, en plus, t'as dit quoi? En plus, on va à l'hôpital aujourd'hui. Tu aurais enrhumé, t'as pas lavé les mains, vas-y. Ok, bon bah on va faire la grippe ce soir. Demain. Avec du papier, voilà. Avec du papier. Bisous. Du papier. Va t'habiller, va. Ça, c'est pour moi l'égyptien, ça. Pour moi l'égyptien. Par contre, c'est très salé. Pas trop de salé. Ah, très cholestérol quand même. C'est ça qui est plus salé, là, le French. Le truc. Mais ça sent un peu fort, hein. Mais ça, tu peux trouver justement dans les épiceries que je vous ai montrées. C'est bon? C'est bon. Et je mets où? Ah, assiette. Ah, là. Ramène l'assiette. T'entends, non, si. Je vais mettre ça où? C'est une question bête. De la télé cube, pourquoi? En Égypte. Tu vas t'aimer là-bas, toi. Ça me semble. On est sur cette vidéo, ouais. Tu m'en parleras à la fin de la vidéo. Mais j'apprécie, c'est très bien. Totalement. Coupe, non. Prends-toi. À chaque fois, je donne des idées de toi, t'es pas doucement. Ne reviens pas, tes affaires vont chez toi. Ne reviens pas. Il empire. Père de Maloha. Oh là, frère, Michael, tu fais que le dissiper, travaille. Toi, tu peux pas faire top chef, toi. Je travaille, moi. Tu peux pas faire top chef. Je chante à côté, moi. C'est quoi ton travail? Tu fais quoi dans la vie? Ah, j'ai fait pas mal de boulot. Ah ouais? Vas-y, dis-nous un petit peu quand t'étais. Vas-y, raconte-nous un peu ton parcours. Donc, t'étais éducateur français. Tu faisais pas aussi du foot? Bah, j'étais un joueur de foot, première. Division en Égypte. Mais c'est moi qui l'ai laissé les foot. Ah. À cause de maladie, mon père, l'a décidé, j'ai arrêté de faire les foot. C'est moi qui l'ai laissé les clubs. C'est toi qui as laissé tomber. Voilà. C'est un grand joueur. Très grand joueur. Est-ce qu'il a fait l'armée? Il a pas fait l'armée? Plus, voilà. J'ai fait l'armée. T'as fait l'armée égyptienne? Ah oui. Voilà, il y avait une photo. Et du coup, t'as fait quoi comme boulot aussi? Ici? Ah, j'ai fait tout. J'ai fait le marché, j'ai fait la peinture, j'ai fait chauffeur, les frères, j'ai fait. Les manutentionnaires, j'ai fait les préparateurs de commandes. Marché, c'était bien? Oui. C'était en quelle année? Ah, quand j'ai arrivé. Avec, 90? Avec ta maman aussi, on a travaillé ensemble. Ouais, ça va. Ouais. 90? Oui. C'est ça? C'est ça, oui. Quoi d'autre, les enfants? T'as pas des petites anecdotes à nous raconter? Quand j'ai pris Marwan avec moi en Égypte, tout seul. Ouais. Il était tout petit. Marwan, c'est mon frère, mon troisième frère. Ouais. Les policiers dans l'aéroport en Égypte, ils m'ont dit comment ça se fait, t'as pris un petit enfant comme ça, sans sa mère joindre avec vous. Je dis, c'est normal, je suis son père, il n'y a pas de problème. Mais c'était un bon vacances avec lui. Ouais, je sais, ça t'a marqué. Tu nous en parles tout le temps. Après, j'ai ramené Noaï. Non, pas encore Noaï. Non, après, on est venus tous les trois. Tous les trois, oui. Moi, lui, il était bébé. Et moi, Ryan et Marwan. Exact. Il était venu. Moi, je t'ai aimé. Je t'aime pas du tout. Oui, il était pas encore venu, lui. Si! Si, il était né! Il était né, il venait de naître. Il est né en juillet, on est parti en août. Ah. Ça, c'est vraiment l'assortiment salade. En Égypte, c'est vrai qu'il s'est bien posé plein d'assiettes différentes. Comme beaucoup de pays orientaux. Après, on va passer au plat, on va dire, de consistance. Bon, là, on a vidé déjà une boîte de foule. C'est quoi le foule? Explique, c'est quoi le foule? En fait, c'est des fèves. Fèves des quoi? Fèves avec des. Libanais, égyptiennes. Tu vois? Il veut pas me laisser parler. Vas-y. Vas-y, avec le calme. Allah.
Et du coup, bah voilà, c'est des faits. Attends, là je me suis à la poubelle, le commis. C'est bon, oh, c'était une blague. Malèche, on fait le deuxième. Ah, on met la deuxième? Bah oui, vous attendez. On est 4. 1, 2, 3, 4. Vas-y, mets. Ok. Mais il y a trop d'eau. C'est pas grave, vas-y. Autre assiette. Vas-y. Oh là. Vas-y. Ouais, trop. Vous voyez comme ça, ça donne pas envie, mais en vrai, c'est hyper bon. Ouais, ça, c'est très bon. Donne la vaisselle au commis, là, la vie. Ça en fait. On travaille équipe. Je suis non, c'est inquiète, on travaille équipe. Allez, le commis, va faire la vaisselle vite. Arrête, parce que je vais te le jeter sur toi. On finit ça d'abord. Après, on fait le basterme. On fait une petite assiette de fromage blanc avec des tomates. Ok, bon, bah c'est parti, hein. On va aller dans la cuisine. Let's go. J'ai pas de cuisine américaine, je suis obligé de transiter là-bas. On va tomber mal, on va seul. Allez, let's go. Allez, on y va. T'as toujours aimé cuisiner, t'as bien cuisiné en vrai ou pas? Oui. C'est quoi le plat que tu sais le mieux faire? Les cuisines égyptiennes, j'ai fait bien. Ça va. Ah ouais? Pas mal, oui. Malochia, bamia. Rose de four, pommes de terre avec des poulets fait le four, ouais, plein de choses. Les soupes, t'as oublié. Ouais, j'aime bien faire les soupes. Les remplis de soupes. C'est dur, il les remplit. Ça, t'aimes bien les soupes. Ah oui. Les soupes à l'eau. Bah, c'est à l'eau les soupes. Une fois, t'as fait une soupe. Une fois, il a fait une soupe, il a mis un oignon. Une courgette. Ah, ça c'est. Ah, voilà. C'est bon, quoi? C'est bon pour la santé, dire. Oh non. Comment t'as grandi avec les soupes? Il prend les épluchures d'orange, mais tu les balayeuses. C'est vrai! Tu prenais les épluchures d'orange et tu le faisais comme ça. Tu me disais c'est bien pour les soupes. Et il est où ton pigeon? Tu nous disais qu'il y avait un pigeon à la fenêtre. Il est imaginaire. Il est où ton pigeon? Ah, il me dit tout, hein. Picomix. Il a dit il me dit tout. Asphore. Il est où en vrai? Tu nous as toujours dit. À chaque fois, il disait. Explique, à chaque fois, je t'explique. Quand vous étiez petit, oui. Quand on était petit, on faisait un truc ou quoi. Après, il disait j'ai un oiseau, il me dit tout sur vous. Je sais quand vous faites quoi que ce soit, quand vous faites une bêtise ou quand vous faites. Louis, pourquoi tu rigoles? T'étais pas né. J'ai un oiseau dans la maison, il me dit tout. Voilà. T'as déjà été en Algérie? Bah oui. Alors, c'est quoi ton avis sur l'Algérie? C'est bien. Bien l'Algérie. J'aime l'Algérie. C'est vrai? T'as bien aimé? C'est un bon billet. C'est un Égyptien qui le dit. Ah oui, t'es parti là. Steph. Ouais, Steph. El Fawara. T'es parti, c'est vrai. El Fawara, j'ai assis dans un café. L'Algérien, il est d'accord à l'aïe. Lui, il t'y met un dinar ici, tu vas revenir. J'ai jamais été. Bah, il faut y aller. Inch'Allah. Pas mal, Inch'Allah. Inch'Allah. Et c'est quoi ton plus beau voyage? La meilleure? Ouais. En Arabe Saoudite, quand j'ai fait le Omra. Ah ouais? Ouais, j'imagine. Ça, c'est le meilleur. Ouais, c'est vrai que ça, c'est le meilleur voyage. Hein. Pour nous, en tant que musulmans, aller à la Mecque, faire un Omra. T'es resté combien de temps? 10 jours. Et t'as bien aimé? C'était bien? Ouais. Ah, ça, c'est pour le full. C'est pour la recette des fèves. Tu mets oignon dans de l'huile d'olive avec de l'ail, tu fais revenir. Après, tu mets des tomates, tu fais revenir un peu et après, tu verses full. Exactement. C'est ça. Ça a l'air bon, hein, moi je vous dis. Ça a l'air archi bon. Si vous voulez refaire ça chez vous, vous allez kiffer. On verse la mixture qu'on a fait avec les fèves. Tu verses dans les oignons et les tomates. En tout cas, ça sent archi bon. Tu mets le tahina. Tahina. Sésame. Ouais, voilà, c'est de la crème de sésame, c'est ça? Oui. C'est très liquide, hein. Mélange avec une cuillère, s'il vous plaît. Couteau. Voilà. Ah ouais. Au début, c'est liquide, c'est l'huile qui remonte et tout. Tu mélanges. Tu mélanges, après ça devient un peu plus épais. Doucement. Stop. Stop. Il y en a trop là. C'est bon. Oula. C'est bon d'emmalter le full bétéri. J'ai quoi, j'ai gâché? Non, c'est bon. Tu sais que je croyais qu'il fallait tout mettre. Non, pas trop. Ok, c'est bon, là on a assaisonné. Par contre, t'as mis trop d'huile, non? Allez, très sérieux. Bon, notre plat est prêt. Touche finale. Citron. Citron. Voilà. Et tu renverses. Parfait, ça sent bon. Hein. Ça sent bon. Mais ça en Égypte, tu manges tous les matins. Oui. Ouais, mais ça fait grossir, papa.
Ça, bon, le digérer, ça prend 6 heures. Bon, en vrai, c'est pour ça que j'ai écrasé. 6 heures. C'est pour ça que j'étais gros quand j'étais au collège. Tu pesais beaucoup, ça. En vrai, tu rigolais sur moi. Il me prenait en photo, après, il gardait dans ses albums. Tu te rappelles? Si vous mangez ça, faut faire du sport. J'étais gros au collège ou pas? Oui. Hein? Oui. Ah oui. Tu m'aurais pu dire. L'ours. Mange tout ça tout seul. Non, t'as menti. On a fini ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Basterma après. Basterma, c'est parti. Basterma, on fait où? Allez, la boîte. Ah, on fait ici. Ok. Le gommi. La vaisselle. Le gommi, il fait rien, les gommi avec. Tu vas grossir, enfin, d'un arrête. Il me disait ça. Là, je dois lui dire ça. Là, on va passer aux œufs avec. Les fines tranches de bœuf que j'ai pris chez Sabah, qui s'appelle basterma. C'est bon ça? Par contre, ça fait grossir aussi. D'accord, donc là t'as disposé les tranches. Les œufs, je mets les œufs tout de suite? Ok. Attends, j'ai mis un peu. Vas-y. Oh, le bœuf qu'on mange en Égypte. C'est bon. C'est bon là? Parfait. Un bête de poivre noir, un bête de sel, c'est tout. Je vais saler. Ok. Et. Gednaroumi. Je me souviens, ça, je prenais. Les matins quand j'étais en Égypte, quand j'étais rentré, maman m'avait crié dessus parce que j'avais grossi. Elle m'a dit t'as grossi, va à la piscine. Elle a préparé mes affaires, elle m'a envoyé à la piscine. Voilà, j'étais traumatisé. On dirait un carpaccio. Est-ce que tu regardes mes vidéos? C'est ça que je voulais proposer. Oui. Ah ouais? Oui, oui, oui. T'aimes bien? Oui. Et quand je t'imite? J'achète des vêtements de luxe. Quand t'es fait ton père, t'es n'importe quoi. Un clown. Tu seras un clown. Oh là là. Et lequel? Là, on termine avec les falafels. Par contre, les falafels, t'aurais pu les faire toi en maison. Non, c'est pas grave. C'est pas bon. Ça, c'est avec. Pois chiche. Fèves. Ah ouais? Pas pois chiche, des fèves. Ok. Fèves, persil, oignon, l'ail, coriandre, tout ça, vous mixez. Ça sort après des pâtes falafels. On va les mettre ici. Comme ça, c'est bien, non? Ouais. Décoration comme ça. Ouais. Sur la salade. N'importe quoi, vas-y. Vas-y. Regarde-moi, j'ai fait comment l'assiette? Regarde. Non, regarde, je te jure, ça fait bien, regarde. D'accord. Ensuite, il nous reste quoi? Un assiette de fromage, c'est tout. Ah oui, c'est ce fromage. Je te laisse ça pour toi. Vas-y, ok. Ce fromage-là, incroyable. Si vous voulez faire une recette très simple, vous prenez ça, des tomates. Huile d'olive. Vous mettez huile d'olive, sel, poivre. Non, pas de sel. Un bétail. Parce que c'est salé déjà. Et cumin. Et du cumin. C'est trop bon. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression. Tu nettoies ça d'abord. Ah oui, c'est vrai. Et lequel? Ramène-moi un papier. Regarde, il est sur son téléphone, il sert à rien. Mais j'ai aidé moi au début. Ah, c'est bon. Comme ça? C'est bon. C'est tout? Oui, c'est bon, c'est qui va manger tout ça? Toi, tu fais des régimes. Voilà, mets les tomates. Non, je vais manger là. Mets les tomates, vas-y. Allez. J'ai faim. Ça y est. Voilà, une table égyptienne, photo égyptienne. Photo égyptienne, voilà. On résume un petit peu ce que t'as fait. Ça, pasterma avec le bed, avec l'œuf, tamia, foule, scandarani, salade, tomate bengerna, fromage blanc avec tomate. C'est, ça a l'air très bon, on va manger tout ça. Bismillah. C'est bon. Alors? J'ai mangé le falafel. C'est bon ou pas? Ouais, il est bon. Ça a l'air archi bon. En tout cas, ça, c'est excellent. Bismillah. C'est une dinguerie. Hein. Bon, bah écoutez, nous on va manger. On vous dit bon appétit si vous êtes en train de grave. Bon appétit tout le monde. Bon appétit tout le monde. Si vous avez kiffé la vidéo, si vous avez kiffé Fadel Custo, c'est le premier épisode. N'hésitez pas à me donner de la force si vous avez kiffé de ouf. Likez, mettez plein de pouces bleus. D'ailleurs, il met des pouces bleus. Qu'est-ce que j'ai dit? Il met des pouces bleus. Pour fat. Il a fait un vote à The Voice. Je vais tout fade. Mettez plein de pouces bleus, mettez plein de likes. Plein de likes. Ça va me faire plaisir. N'hésitez pas à commenter si vous avez kiffé le concept. Va y en avoir d'autres, vous inquiétez pas. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Très important si vous voulez voir d'autres vidéos. Qui vous aimeriez voir dans le prochain épisode de Fadel Custo? Je vous attends sur ça. Restez branchés, faites attention à vous. Merci Fad. Voilà. Ciao l'équipe.